Tout ça, c'est la faute à Christophe Colomb. Si un beau jour de 1492, il n'avait pas découvert l'Amérique, deux petits Européens, nommés Petula Clark et Sacha Distel, ne se seraient pas perdus dans la jungle hollywoodienne. Nous allons les y accompagner. Là, je constate que pour commencer, vous confiez votre existence précieuse à la conduite de Sacha Distel. Mais Sacha conduit très bien, vous savez. Il conduit si bien que ça? Bien, oui. Vous croyez qu'il conduit si bien? Oui, enfin, sauf quand il cale. Ça arrive au meilleur conducteur. Ah, cette fois, on est parti et la visite commence. Suivez le guide. Hollywood de votre fauteuil sans quitter vos pantoufles. Attendez. J'arrange bien mes coussins et je vous suis, Petula. Je vous suis. Où sommes-nous ici? Mais voyons sur Sunset Boulevard. Vous ne l'avez pas reconnu? Vous savez, moi, en ce moment, je sors très peu. À droite et à gauche, vous pouvez admirer ces œuvres d'art de notre temps, les posters. Tiens, voilà un nom qui me dit quelque chose. Quand je pense que vous êtes aussi une vedette américaine. Oh, ne soyez pas jaloux. Mon cœur bat en France. La preuve, j'ai épousé un Français. Eh ben, heureusement. Ah, maintenant, il faut un petit tour à pied. Ça me fait du bien, d'ailleurs, la marche. Vous savez ce qui me surprend le plus dans cette promenade, Petula? Eh bien, c'est... Comment pourrais-je vous dire ça? C'est la taille du paysage. Oh, mais oui, tout est comme ça à Hollywood. Disproportionné, gigantesque. J'ai très bien vu d'en bas, tous les deux. C'est une rue à Hollywood. Et ce temple exotique, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est le théâtre chinois. Regardez. Que de pieds. Que de mains. Et puis, des pieds et des mains célèbres, hein? Pas les pieds de n'importe qui. Gary Cooper, Frederick March. Victor McLaglen. Oui. Il y a John Wayne, je crois, aussi. Oui, voilà John Wayne. Oui, vous connaissez ça par cœur. Mais dites-moi, je crois rêver, moi. Pourquoi? C'est, je ne sais pas, ces musiciens, cette rue, ces haciendas, ces caballeros. Nous avons quitté Hollywood? Mais non, pas du tout. Nous sommes dans la Oliveira Street. C'est la rue la plus ancienne de Hollywood. Ah oui, à l'époque où Hollywood était une bourgade espagnole ou mexicaine. Mais les musiciens là que nous avons entendus, ils étaient là pour la couleur locale ou bien pour fêter votre visite? Oh, pas du tout, ils sont là chaque jour. Voilà une sorte de paradis. C'est Farmer's Market. On y trouve les produits du monde entier sur un marché couvert de 5 hectares. Voilà la ménagère qui parle, la bonne mère de famille. Oui, mais rassurez-vous, il y a d'autres endroits pour faire ses courses. Exemple, ce supermarket ouvert 24 heures sur 24. En tout cas, moi je trouve qu'en couple idéal, Sacha et vous, vous êtes très touchants. C'est du cinéma. Ah non, mais ça a l'air d'être très vrai. Là, vous achetez quelque chose? Beaucoup. J'ai l'impression que pour ce qui est de la circulation, Los Angeles n'a rien à nous envier, n'est-ce pas? Non, mais grâce au freeway... Qu'est-ce que c'est le freeway? Un freeway, c'est les boulevards, autoroutes. Oui. Les embouteillages ne durent jamais très longtemps. Regardez comme nous avançons bien, Sacha et moi. Oui, enfin presque, quoi, c'est presque fluide. Dans le smog. Dans le brouillard. Oui.
Mais ces vieilles maisons coloniales l'a perdu dans la cité atomique. Encore des vestiges du début du siècle. Il en reste très peu, d'ailleurs. Claude, regardez bien cette ville dans la ville. Oui. Ce sont les studios de la 20th Century Fox. C'est impressionnant. Mm-hmm. Et ça, cette petite voiture? Ah, c'est une voiture électrique, c'est très amusant. C'est si grand que ça? Mm-hmm. Il faut une voiture pour se promener à l'intérieur. C'est énorme. Et ce square, là, cette avenue, qu'est-ce que c'est? Oh, ce n'est qu'un décor qui va bientôt être détruit. C'est celui du film de Hello Dolly. Oui, le film de Barbra Streisand. Oui. Mais je comprends, moi. Ce que nous appelons un quartier, eux, ils appellent ça un décor. C'est toute la différence. Et oui, je vous ai dit qu'à Hollywood, tout était démesuré. Vous êtes très bien en touriste, tous les deux, en flâneur. Ah, c'est fascinant. Tenez, cette rue, par exemple, c'est un décor fixe. C'est la rue West Elm. Ah oui, fixe parce qu'on ne sait jamais. Il faut être prudent, peut avoir besoin de tourner un western d'un moment à l'autre à Hollywood. Eh oui. Attention, Petula. Ah non, c'est du jeu, heureusement. J'avais peur. J'ai l'impression que nous allons prendre l'air. Où allons-nous maintenant? À Malibu Beach, juste avant Malibu Canyon. Très bonne la mer. Hein? Ouais. Enfin, pardon, je voulais dire l'océan Pacifique. On surfe ici pratiquement toute l'année. Moi, quand même, à la place de ces jeunes gens, je prendrais une assurance. Ou alors un parapluie à cause des vagues. Taisez-vous et suivez le guide. Je le taise, promis. Et nous sommes partis. Mm-hmm. Donc c'est du ralenti, ça doit être du sérieux. Qu'est-ce que c'est là? Oui, attendez. Ah oui, je me souviens, c'est Hollywood Bowl. 25 000 places assises. 25 000 places, mais c'est un stade. Non, c'est un théâtre. Le temple de la musique. Et on est dans les concerts. 25 000 mélomanes à la fois, mon Dieu. Mais de quoi avons-nous l'air, nous, avec notre salle Playel? Signe particulier. On peut y apporter sans manger. Ah, je vois ça d'ici. Quel plaisir, n'est-ce pas, de saucissonner entre un concerto brandebourgeois et une rhapsodie hongroise. Eh oui, vous savez, c'est très impressionnant. La scène est seulement séparée du public par un gigantesque rideau de jets d'eau. Des jets d'eau? Jets d'eau, oui. Ça doit refroidir les fans. Et toujours au ralenti, le couple idéal disparaît dans le lointain, comme on dit dans les documentaires. The Dodgers Stadium.
75 000 places cette fois. Encore un théâtre de la musique? Non, cette fois c'est un stade. Un stade de baseball. Jamais je n'ai rien compris à ce jeu. Ah, vous allez voir, Sacha et moi, nous sommes très forts. Regardez. C'est vrai, Petula. On dirait que vous avez joué au baseball toute votre vie. Oh, c'est ça, les vrais artistes. Très élégant, Sacha. Oui, très élégant. Vous attendez la balle, ça y est, vous l'envoyez. Mais quand même, hein, un stade de 75 000 places. Eh oui, mais vide. Oui, mais quand même, 75 000 places pour vous tout seul. Vous ne regardez pas à la dépense. Il arrive à peine essoufflé. Et c'est le baiser final. Nous voilà encore repartis, mais décidément, vous l'avez la bougeotte. Oh, quand on est touriste, il faut voir du pays. Nous allons maintenant au studio de la NBC à Burbank. Ah, ça c'est Andy Williams. Et ça c'est? Ça c'est Ron Moody. Attendez. C'est pathétique. Et ça c'est Sacha. Oui, ça c'est Sacha. Je sens que nous allons assister à la naissance d'un vrai show. Moi je retiens mon souffle. Ça c'est Petula, ça. Oui, ça c'est l'émission que j'ai tournée là-bas. Ça c'est Ron Moody au milieu. Et vous êtes en train de rire, non, ou de répéter? Bon, les deux à la fois. Vous avez des conseils? Oui. Ron Moody, vous savez, c'est lui qui était dans... Il était Fagin dans Oliver. Dans Oliver, oui. Il est merveilleux. Ah, moi, j'aime beaucoup voir Petula au travail. Je trouve ça très instructif. C'est très dur quand on travaille. Oui, ça a l'air de rien, mais ça ne peut pas être si facile que ça. Ça, c'est la pause café, oui. Oui, au studio, on trouve tout sur place. C'est pas toujours très bon, mais enfin, il y a c'est pratique. C'est pas la France. Il y a les hot dogs, les fruits, les poissons, du lait, le dessert, un sireur. Oui, et alors, actuellement, pour vous, j'imagine que c'est le régime star, une pomme et une biscotte. Ah, vous n'en avez pas regardé. J'ai très bon appétit. Heureusement. C'est le gardien du studio. Ah oui, mais il est adorable. Ah, revoici notre couple idéal. What a guy on a flute fingers cradle. Mademoiselles wink their eyes at the swells where the corner sign spells Pigalle. Take it from me when you visit Paris. Yes, you better have seen Pigalle. Quelle conscience professionnelle, bravo. Merci. Ça s'appelle joindre l'utile à l'agréable. C'est pas mal, je dois dire. C'est très pathétique, c'est un dieu du couple idéal. On se dit au revoir en dansant. On a Andy Williams encore. Oui. Et en attendant l'émission, chacun rentre à son hôtel. Pour se reposer un petit peu. Oui. Au revoir, Andy. Au revoir, Andy. Au revoir.
revoir, Petula. Mm-hmm. Avec Marie, cette fois. Avec son mari, bah oui. Ah, au revoir, Sacha. Seul. Seul, tout seul. Pauvre petit. Ah, nous revoilà sur Sunset Boulevard. Et voici Hollywood la nuit. Hollywood by night, je suis impressionné. Je crois, Petula, qu'ici, vous pourriez placer un cliché. Vous avez été tellement sobre jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? OK, vous avez raison. Dans un scintillement de lumière, brillant des mille feux du progrès, voici que Hollywood s'enfonce dans la nuit. Oh, ce que c'était beau! Oh, Petula, c'était magnifique, bravo! Eh bien, maintenant, nous allons voir ce que nous allons voir. Entouré de Henry Williams, de Ron Moody, de Sacha Distel, une des plus grandes vedettes actuelles de Hollywood, notre charmante petite amie, Petula Clark. Petula Clark est chez elle, aussi bien à Paris qu'à Londres ou à New York. Le spectacle dont elle est ce soir la vedette empruntera donc son décor à ces trois villes prestigieuses. C'est à Hollywood que les séquences principales ont été tournées, et par conséquent, les chansons que vous entendrez seront presque toutes en anglais, mais Petula traduira. Say you're in love with this girl.
just die, and I want to live my life just like this, close to you. Hey, this is bliss. No, I don't need to know your name or your fortune or your fame. These are not the things that turn me on about you. I can see you and me swinging high, swinging free. Bonsoir. Si je vous invite à me suivre à travers trois pays, c'est que chacun d'eux occupe une grande place dans mon cœur. Je suis née à Londres, vous le savez. J'ai épousé un Français, vous le savez aussi. Et je chante si souvent en Amérique qu'elle est devenue ma troisième patrie. Voilà pourquoi, ce soir, je vais vous faire voix du pays et je dis à Souke, tous ceux qui m'écoutent. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the program. And howdy, pea pickers. Glad you could drop by and set a spell. There's a certain sound always follows me around. When you're close to me, you will hear it. It's the sound that lovers hear when they discover there could be no other for their love. It's my so completely. Music fills my soul now. I've lost all control now. I'm not half, I'm whole now with my love. Singing loud and singing.
Thank you, Andy, for that lovely American song. Oh, well, thank you, Pat, for that lovely English face. Oh. Voilà, et le déjeuner sur l'herbe commence. Vous savez, Petula, que votre pique-nique a l'air tout ce qu'il y a de plus authentique. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il vous a apporté de bon, Andy Williams? Oh, des bonnes choses, des spécialités américaines. Mm. De quoi prendre un kilo rien qu'en regardant. Est-ce que c'est appétissant, ça? On peut dire que votre travail vous nourrit. Hein? Mm-hmm. On me l'a déduit sur mon cachet. Ah bon, je comprends, ça va. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est justement ce que vous êtes en train de défaire là en ce moment dans ces sachets de papier? Ça a l'air d'être délicieux. Ah, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le clou de la gastronomie américaine. Le sandwich au corned beef. Oh, vous avez dû vous régaler. Mmh. Quel festin. Et, oui. Et alors, vous avez vraiment mangé pendant l'émission? Oui. Ah, oui, effectivement, elle mange. Oui, ça colle un peu dans la bouche. C'était un peu difficile de chanter après. Oui, mais enfin, les artistes, c'est ça, n'est-ce pas? Alors là, il est en train de vous remercier pour tout ce que l'Angleterre a apporté à l'Amérique, je crois. Oui. Et vous, vous lui répondez, n'est-ce pas? Well, just don't sit there jawing an audition for country. C'est une chanson de cowboy. Qu'il annonce, c'est la prochaine chanson. Oui. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc que je vais jouer. C'est pour laver les vêtements, ça. C'est un washboard. Ah bon? Et lui, ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il s'accroche autour de lui? Harmonica. Non? Harmonica, oui. Oui. Ah oui, l'homme orchestre. Et le guitare. Et le guitare, oui. Parfait. You can't roller skate in a buffalo herd. You can't roller skate in a buffalo herd. You can't roller skate in a buffalo herd. But you can be happy if you've a mind to. You can't take a shower in a parakeet's cage. You can't take a shower in a parakeet's cage. You can't take a shower in a parakeet's cage. But you can be happy if you've a mind to. All you gotta do is put your mind to it. Knuckle down, buckle down, do it, do it, do it. You can't change film with a kid on your back. You can't change film with a kid on your back. No, you can't change film with a kid on your back. But you can be happy if you've a mind to. A while back, I took him in.
Paris is indefinable. Même lorsqu'elle est aux États-Unis, Petula n'oublie pas son pays d'adoption, la France. Elle ne rate pas une occasion d'enchanter le charme et la douceur, ni de rappeler ce que toute femme au monde doit à l'élégance française. No one thinks it's deplorable when men all turn around just to see Mademoiselle de Paris. Paris is a beautiful, charming, and most expensive what to wear, and she doesn't care if what she wears is dairy. Pretty and witty, she is the spirit of a city called Paris. That's why they call. That's why they call her Mademoiselle. Vous êtes si belle. She's so chic and adorable. No one thinks it's deplorable when men all turn around just to see. Ooh, la, la. Oui, oui, oui. That is Mademoiselle de Paris. Je vous présente une grande vedette française. Voici Sacha Distel.
c'était magnifique, Sacha. Thank you, Bettina. Oh, you look... Nous, les Français, nous sommes toujours les mêmes. Hein. Nous commençons par le baise-main chacune de nos phrases et nous la terminons en demandant la main de la dame. Et maintenant, nous allons, Sacha et moi, vous offrir quelques-uns des plus grands succès français qu'on fredonne à Hollywood. What makes Paris like Paris? Ought to be all the natives agree. He got a wonderful street where the simple folks meet with the social elite. He got a sidewalk cafes, waiters balancing trays morning, night, and noon. Taxi cab stooge, what a guy on a flute, fingers clatter. Mademoiselles wink their eyes at the swells where the corner sign spells Pigalle. Take it from me, when you visit Paris, yes, you better have seen Pigalle. Darling, je vous aime beaucoup. Je ne sais pas what to do. Vous avez completely stolen my heart. Vous qui passez sans me voir, me donnerez-vous ce soir un peu d'espoir? Trees seem to twitter, Louise. Can it be true that someone like you could love me? Ha ha, Louise. Sans en moi, mon cœur qui bat. Et vous, rien qu'un instant, la voix lente du pauvre Jean, que les femmes n'aimaient pas, et n'oubliez pas. La 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 la. Dis donc, j'ai l'impression, Petula, que vous aviez un peu oublié ce pauvre Andy Williams. C'est vrai, pendant quelques instants, je me croyais revenu en France. Mais Andy aussi est un peu français par le cœur. Je vous crois. Il a épousé une Française, il prononce très bien son nom. Vraiment? Oui, oui. Écoutez. Say something in French. Claudine Longet. C'est tout ce qu'il sait dire en français? Ah, ça suffit pour qu'il se débrouille. Qu'un instant, la goualante du pauvre Jean, que les femmes n'aiment pas et n'oubliez pas. La 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 la. La 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 la
Les femmes heureuses n'ont pas d'histoire. La mienne est donc très simple et ne comprend que trois personnages. Claude, mon mari, Barret et Cathy, mes deux filles. When I was a child, not so long ago, life was full of make-believe, toys upon the floor. Living in our world, everything was new, lollipops and rainbows, picture books and Après Megève, je voudrais maintenant vous présenter un personnage extraordinaire, ahurissant, pittoresque, cocasse, inquiétant, comique, hallucinant. Tout ça pour un seul homme, Petula? Ah, mais Ron Moody n'est pas un seul homme. Il est 10 hommes en un seul. Regardez-le, cet étrange personnage. As portrayed by Oscar nominee Ron Moody. If a man's good and kind, no one pays him no mind. He dies, he gets buried, he's forgotten. But if a bloke has a knack for stabbing friends in the back, if a chap has a flair for being rather unfair, they'll never ignore him. They'll adore him. 'Cause he's rotten. All the world adores a villain who
says good must conquer evil, that's a myth. All the world adores a villain. If you don't believe me, take a look at this. All the world respects a villain. As Dr. Jekyll, I am quite the crushing bore. But when I take my evil potion, no one calls me boring anymore. No, I, Dr. Jekyll, Dr. Jaime Jekyll, specialist, will now conduct a little experiment with these test tubes. People of nervous disposition are advised to leave now while there is still time. Sodium carbonate. Calcium tetrachloride. Sodium tetrachloride. Calcium, calcium. Sodium, sodium. Sodium, calcium, tetrachloride, sodium. Best of luck. Jumping like a gypsy, and even in Poughkeepsie, people cried. My face will give you horror, like there is no tomorrow. And I speak for the both of us inside. As all the world adore a villain, if they catch me, is it feathers, is it tar? They know how to treat a villain. They put me in the movies as a star. A villain. They say that evil is as evil did. All the world implores a villain to be hated like the fated Captain Kidd. With a roar like mighty thunder, I loot and find plunder. So is it any wonder I am a who's a baddie, a cobber, who's a robber, a chappy, who be happy to rob his mum and pappy. All the world adores a villain. They are just mad about a scoundrel and a thief. All the world reveres a villain who is capable of crime beyond belief. And thank you, Pet, for having me. You know, Petula, mais qui est ce monsieur? Oh, mais c'est toujours Ron Moody. Encore? Eh oui, il manie l'humour quand il est en smoking, aussi bien qu'il manie ses fioles quand il est le Dr. Jekyll. Mais il arrive à s'y retrouver au milieu de toutes ces métamorphoses. Oui, grâce à ses papiers d'identité. Alors, vous voulez dire que, par exemple, que Oliver? Oui, c'était lui. Et le Dr. Jekyll? Bah, c'était lui aussi. Et Mr. Hyde? Encore lui. Et le pirate? Toujours lui. Oh, c'est un homme vraiment extraordinaire. Mais dites-moi, on ne le connaît pas en France. D'où sort-il, Ron Moody? Bah, il était, comment dire ça, un artiste music hall pendant des années. Et puis, il a tourné ce grand film Oliver. Il a joué Fagin dedans. Mmh. Et maintenant, c'est une grande vedette. Il tourne beaucoup de grands films maintenant. Aussi bien en Amérique qu'en Angleterre. Ah oui. Je crois qu'il ne tardera pas à être aussi une grande vedette en France. Oui, je l'adore. Et
Il est drôle et un peu bizarre, c'est ça que j'aime. Nous allons faire une petite promenade à travers Londres. Une petite promenade bien sage? Ne vous effrayez pas. Il arrive qu'on ouvre une porte et de l'autre côté, l'aventure vous attend. Just walking up and down. Maybe it's because I'm a Londoner that I love London town. Knees up, Mother Brown. Come along, dearie, let it go. E-I-E-I-E-I-O. It's your blooming birthday. Let's wake up all the town. So knees up, don't get a breeze up. Knees up, Mother Brown. Oh! To a wing-ding down good old Brixton. What? Old Mother Brown, the village queen's 100 years today. And what a celebration with proper la-di-da. Until they rolled the carpet up and shut it down in my room. Knees up, Mother Brown. Knees up, Mother Brown. Come along, dearie, let it go. All around there are girls and boys
Je viens de tourner avec Peter O'Toole un bien joli film, Goodbye Mr. Chips. Peter O'Toole et Mr. Chips et Mrs. Chips et moi. Le film sortira bientôt en France. Il y a dedans une belle chanson dont j'aimerais donner la primeur à mes amis français. You and I. And confidence. You and I will travel far together. We'll pursue our little star together. We are happy as we are together. We may never get to heaven, but it's Thank you.
Ce soir, je vous ai conduit très loin, jusqu'au cœur du Nouveau Monde. Mais même à Hollywood, même à New York, je dois vous avouer que j'ai toujours quelque part dans mon cœur l'image de la France. Et l'émission que je vous ai présentée, c'était tout simplement mon cadeau de retour. Bonsoir, mes chers amis de France.